Thank you.
La vie, la vie se trouve en Jésus. C'est lui qui est la vie. Tu as quelqu'un, je bénis. Tu as quelqu'un, je bénis. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette rencontre. Nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Adonai, Adonai, notre Dieu. Merci de nous bénir. Que Dieu vous fortifie. Faites au centre de délivrance, d'écoute et de délivrance. Amen. Ici, nous mettons les esprits au pas. C'est-à-dire les esprits de la sorcellerie. Nous mettons les esprits de la sorcellerie au pas. Or, tous les samedis soirs, nous avons une particularité, la délivrance des sorciers. Nous délivrons les sorciers. Vous avez vu que ce matin, j'ai rendu le témoignage des deux personnes. Or, quand vous enlevez quelqu'un qui est un agent de Satan, vous le récupérez, vous l'envoyez dans le royaume de Dieu, et vous donnez tous les secrets. Amen. Amen. Et d'abord, c'est une victoire. Or, Jésus-Christ dit, quand un pécheur se répand sur la terre, le ciel est dans la joie. Amen. Or, les gens préfèrent tuer Dieu. Or, il détient des secrets. Or, quand le diable arrive à t'avoir, c'est qu'il a un secret. Et c'est ce que je suis en train de donner comme enseignement. On ne peut pas avoir une victoire sans secret. Derrière une victoire, il y a un secret. Or, le diable, nous sommes chrétiens. D'autres sont chrétiens. Et le diable a accès à leur maison. C'est qu'il maîtrise quelque chose. Amen. Amen. Or, quand vous causez avec les sorciers, on te dit, mais le chrétien, il est chrétien. Mais avant d'avoir accès à son âme, vous permettez, parce qu'eux, ils parlent. Ils ont le secret de la vision de la parole. Or, la parole, il y a une force dans la parole. Or, j'ai toujours dit, Dieu, le diable imite Dieu. Il copie ses dieux. Le diable n'a rien créé. Amen. Le diable n'a rien créé. Il copie ses dieux. Or, la parole est une puissante créatrice. Quand elle est prononcée quelque part, ça crée quelque chose. Or, pour avoir accès à l'âme de quelqu'un, il va t'appeler. J'ai appelé son âme, j'ai récupéré son âme. Or, ils ont un secret. Pour avoir un chrétien, il y a quelque chose. Même si tu as Jésus-Christ, pour avoir accès, parce que j'ai étudié. Or, nous sommes sous la haute protection de Dieu. Dis amen. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Quand tu es en Jésus, tu es sous une haute protection. Dieu te protège. Or, pour briser ce mur, ils ont un secret. Et ils nous étudient pour nous démystifier. Comprenez? Le diable, il est pour nous démystifier. Quand il attaque, il n'arrive pas à t'avoir. Comment faire pour avoir accès à ta vie? C'est tout ça qu'il a comme secret. Or, le chrétien n'apprend pas beaucoup de choses. Or, le diable nous étudie. Nous ne maîtrisons pas notre adversaire que le diable. Il faut le maîtriser sur ça que par moment, nous amenons les gens à faire des aveux. Or, les aveux publics délivrent le sorcier. C'est pas tout le monde qui arrive à délivrer un sorcier. Amen. Amen. C'est pas tout le monde qui a ce secret-là de la délivrance. Amen. C'est pour ça que tu peux être possédé, tu peux avoir une situation, tant que tu ne tombes pas sur la clé qu'il faut, ton problème demeure. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas experts en matière de délivrance. Oh, mais qui ne peuvent pas résoudre un problème de sorcellerie, mais ils se mettent dans la peau de quelqu'un, c'est des généralistes. C'est ce qu'on appelle les médecins généralistes, eux touchent à tout. Mais c'est pas un spécialiste. Donc il va beau prier pour toi, mais il ne peut pas régler la situation. Parce que ce n'est pas son domaine. Amen. Un généraliste, c'est celui qui touche à tout. Or, un spécialiste, c'est celui qui règle le problème que tu as. Tu as un problème de sorcellerie, tant que tu ne touches pas un expert. Celui qui peut régler, c'est fini. Or, l'onction, chaque homme de Dieu a une onction. Amen. Amen.
Voilà. Dieu, quand il t'appelle, il te qualifie, il te donne une onction. Nous, notre spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Un jour, quelqu'un me dit, mais je ne savais pas que tu pouvais prier pour quelqu'un, la personne va guérir. Amen. Tu manges chez moi, c'est les sorciers seulement que tu guéris. Amen. J'ai dit, mais qui a une maladie? Hein? J'ai posé la question, monsieur, mais qui a une maladie? Quand vous êtes allé dans les avions, on dit, non, je lui ai donné une maladie. Or, quand le sorcier donne une maladie, c'est celui qui espère la magie qui fait te délivrer de cette maladie. Or, on appelle ça la maladie mystique. Alléluia. Amen. Donc, par moi, si vous ne tombez pas sur les spécialistes, c'est un problème. C'est pour ça que vous allez partir dans un CHU, ou un chercheur, ils vont vous demander, vous allez tomber sur un médecin généraliste, après consultation, il va te dire, mais comme tu suis d'un poumon, et comme tu es sur de rein, comme tu suis de... Si c'est un enfant, c'est un pédiatre. Il doit, si c'est une dame, une femme, on dit, bon, gynéco, c'est ça? Il faut avoir un gynécologue. Et si tu as un problème de rein, comment on les appelle? Si c'est un point de peau, on les appelle les dermatologues, ainsi de suite. Amen. Chaque, si les hommes eux-mêmes comprennent qu'il faut se spécialiser, c'est pas Dieu. Alléluia. Or, quand tu tombes sur un spécialiste, 2 minutes avec lui suffit. Amen. 2 minutes avec lui suffit pour régler certaines choses. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. D'abord, moi, je suis d'abord un homme révolté contre la sorcellerie. C'est ce qu'il devait savoir. Je suis un homme révolté contre la sorcellerie. Or, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas autre chose. J'ai dit, vous priez, non, venez à l'église, Dieu va vous délivrer, Dieu va vous bénir, il va faire comme ça. Mais il y a le problème de l'Afrique, nous ne blaguons pas, c'est la sorcellerie. Or, si la sorcellerie de l'Afrique se débarrasse de la sorcellerie, vous allez voir une Afrique émergente. C'est tout. Or, la définition de la sorcellerie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de sorcellerie, les gens voient ça comme, non, lui, il est sorcier positif. Donc, ils veulent arranger la sorcellerie. Or, la sorcellerie, ça veut dire simplement celui qui lance un sort. Donc, quelqu'un qui lance un sort, il est plus positif. Oh, tu me dis, tu es un féticheur, ok, je peux comprendre. Tout ça, c'est des pratiques de sorcellerie, parce qu'ils s'attendent très bien. Les marabouts, les féticheurs, ils s'attendent très bien, parce qu'ils ont le même maître que Satan. Amen. J'ai fait la délivrance d'un jeune homme qui est musulman, du là, ici on peut demander les du là. À Fresco, lui, son père, il a reçu une lettre. C'est-à-dire, les sorciers ont écrit à son papa. Il a écrit, oui, si, il y a une lettre. On dit, faut t'apprêter parce que d'ici 3 mois, on va te tuer. Donc, quelqu'un lui a amené la lettre. Il dit, mais c'est quelle lettre tu m'as envoyé? Lui-même, le monsieur, c'est un qui lui a donné la lettre. Il dit, non, c'est telle personne. L'autre, il dit, non, c'est là. On ne s'aimait pas. Il va voir un marabout. Et le marabout lui dit, faut envoyer un bœuf. Comme ça, on va prolonger. Sinon, on ne peut rien. Au lieu de, donc, chaque 3 mois, il était obligé d'envoyer un peu. Et puis, un matin, le sorcier, pendant qu'il regardait la télévision, et le sorcier est rentré, ils l'ont foudroyé. Il est mort. On l'avait à l'hôpital, on dit qu'il est mort d'hypnotisation. Or, les gens étaient déjà au courant qu'il y avait un décret de mort sur lui, qui l'attendait. Pour lui, est fini. Son fils reçoit la même lettre. On dit, après toi, d'ici 3 mois, on va te tuer. Oui. Non, le diable ne joue pas. C'est-à-dire, si vous comprenez pourquoi aujourd'hui, je consacre mon temps, parce que le diable travaille. Pendant que nous, on est assis, eux, ils travaillent. Ils endurent les familles, tuent. Ils tuent. Donc, le monsieur Trump, pendant que j'étais à Fresco, il m'a rencontré, il dit, ok, tu ne mourras pas, tu ne vas pas mourir. Il tremblait, il avait peur. Il dit, ah, ça là, la même chose arrive à mon papa. Je lui ai dit, il me demande, c'est comment? Il dit, non, tu ne paieras rien. Ce n'est pas une question de bœuf. Je ne vais pas aller voir, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas une question de prolonger. Mais tu ne vas pas mourir. Amen. Jusqu'à ce que tu meurs d'une mort naturelle. Il ne croyait pas. Aujourd'hui, il vit. Amen. J'ai parlé, j'ai dit, j'arrête le décret. C'est un décret. Le diable a décidé de te tuer. C'est un décret. Moi, je viens en tant qu'homme de Dieu, fils du royaume. Parce que la Bible dit que tout ce que j'annule sera annulé. Un marabout ne peut pas annuler la mort sur toi, tout ce que le maître. Son maître, c'est Satan. Amen. Or, c'est à nous que Dieu a donné le pouvoir.
quand Jésus dit je vous donne le pouvoir, il ne viendra plus, lui agit, il nous regarde dans l'exercice de notre pouvoir. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. C'est trop fort ce que j'ai dit. Amen. Vous allez lui te dire, tiens le pouvoir, va faire par là. Lui, là, il te regarde. Maintenant, s'il y a des combats dangereux, lui, il vient vous dire, hey, stop, hey. Je dirais, mais dis-moi, mais je suis là, mais va. Amen. Amen. Il nous a donné le pouvoir d'arrêter la sorcellerie, d'arrêter toutes choses. Donc j'ai dit, aujourd'hui, c'est pas une question de rien crier. J'ai dit, maintenant même, tu ne vas pas mourir. L'œil et l'être, là, ça retourne sur eux. Amen. C'est quel moment on vient pour te dire, après toi, tu vas mourir. Viens, tu vas dire à vous. Moi-même, si ça venait te dire, bonjour, tu as fui. Mais on te prépare déjà. C'est ce qu'on appelle programmation de mort. Oh, il y a des gens qui vivent comme ça, qui ont des décrets de mort sur leur vie. Comment savoir qu'on a un décret de mort? Quand tu dors, tu vois des personnes mortes en rêve. Ça veut dire que toi, tu es déjà programmé à la mort. Amen. 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 C'est tout, c'est d'annuler. Je vous donne un secret. Un secret spirituel. Quand vous faites un mot, il y a des gens, eux, quand ils font des rêves, ça se réalise toujours. Que ça soit en bien, que ça soit en mauvais. Et bon, ils ne vivent rien contre ça. C'est dangereux. Amen. Amen. Quand tu finis de faire un rêve, ce qu'on appelle un rêve mystique, un rêve dangereux, dès que tu te lèves le matin, tu n'étais pas encore brossé, prends de l'eau. Or, si on vous enseigne le pouvoir de l'eau, c'est puissant. L'eau, on fait l'eau avec tout chaud, l'eau nettoie tout ça. C'est une action prophétique. Dès que tu sors de ta chambre, tu prends l'eau, tu verses. Tu dis le rêve que je viens d'avoir, que je viens de faire, que ça n'aura pas d'impact sur ma vie. Et tu verses. Comme quelque chose a été fait, ça ne va pas se réaliser. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. 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 Peut-être que j'ai dit est trop fort, pour ne pas vous. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas un secret, tu ne vas jamais avoir le pouvoir. Or, nous sommes confrontés à un combat. Chaque jour, c'est le combat. Quel est le secret que tu as pour maîtriser? Or, David, face à Goliath, il avait un secret. Le secret de Goliath, il a eu un réma de Dieu. Ce n'est pas toutes les pierres. Il allait dans un tronc d'eau pour choisir des pierres. C'est un secret. Amen. Amen. Je disais comme ça que dans chaque quartier, il y a un esprit. Tu vas en France, il y a un démon. Il y a un esprit qui reste sur la France. Il y a un esprit qui reste sur Paris. Tu n'as pas maîtrisé l'esprit de Paris, mais l'esprit de Paris va te maîtriser. Tu dois te maîtriser. C'est ça, la Bible dit qu'avant de rentrer dans la maison d'un homme fort, il faut que l'homme fort soit maîtrisé. C'est un système qui est mis en place. Amen. Amen. Or, pour bâtir Paris, il y a des gens qui sont venus construire Paris. C'est venu, il y a des gens qui ont construit. Ils sont les fondateurs de Paris. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? C'est un système qu'ils ont mis en place et c'est spirituel. Or, quand tu rentres dans une ville, il faut déprogrammer le système. Comme ça, tu prospères sans problème. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Or, nous avons reçu le pouvoir au nom de Jésus. Amen. Si nous ne déprogrammons pas, ça c'est difficile. Quand vous écoutez les sorciers parler, dit, on l'a programmé. C'est une question de programmation, de déprogrammation. Amen. Amen. C'est tout. C'est une question de programmation et de programmation. Si vous maîtrisez ce système, c'est fini. Rien ne va vous échapper. Oh, c'est ce que vous ne maîtrisez pas. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, la Bible dit quoi? Dieu nous a donné le pouvoir, la domination. Nous devons dominer sur toute chose. Amen. La Bible dit toute chose. Ça veut dire un souris qui t'amène à la maison là, c'est toute chose. Ta foi, c'est toute chose. Amen. Toute chose. L'astérité, toute chose. Tout ça. Pourvu que toi tu comprennes que ce n'est pas la chose qui doit te dominer. Et que toi tu dois prendre le dessus. Commence à parler la chose. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. Ce soir, nous allons passer, écouter les aveux. Amen. Amen. Je vous disais comme ça dans l'introduction, il y a des secrets. Quand vous maîtrisez l'espace, tout ce qui est votre environnement, les esprits sont obligés de s'aligner puisque vous maîtrisez les choses. Alléluia. Or, le diable, il ne fait que copier ses dieux. Qu'est-ce que tu as dit? Je vous donne l'exemple. Vous savez, je vous désolé, c'est nous qui négligeons les choses. Selon le diable, il sait qui tu es. Satan sait qui tu es. Il sait que tu as un pouvoir.
Et puis nous, on est toujours là, Satan, Satan. On est... Si Satan est plus fort que Dieu, moi, je ne peux pas être Dieu. Nous, on s'est dit, mais Dieu, c'est vrai que les gens qui voient un miracle, ils dépassent leur entendement, ils attribuent ça à Satan. Si Satan est fort, moi, je ne peux pas être Jésus. Je ne peux pas être Jésus. Je mets dans votre tête que vous avez le pouvoir. Quand Jésus dit dans Luc 10, verset 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il dit, si toute la puissance de Satan, rien ne pourra vous dire. Souris pas dans votre chambre, vous voyez le vieux qui est en train de vous attaquer. Mais attaque-le. David dit, attaque celui qui m'attaque. Amen. Amen. Mais c'est vrai, celui qui s'élève contre toi, tu verras contre lui. Et tu le mets en sa place. Amen. Ne permettez pas une situation de prendre le dessus sur vous. Non. Il ne faut pas permettre à la stérilité de prendre le dessus. Si vous pensez que la situation plus terrible, c'est la situation qui prendra le contrôle. Or, Dieu nous a donné le pouvoir de la domination. C'est lui qui demande de dominer sur toutes choses. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu t'appelle à dominer sur toutes choses. Dis à quelqu'un, toutes choses. Amen. Qui veut être béni? Qui veut être béni? Sorcier, c'est qui? Qui a béni? Tu t'es mangé. Pourquoi? Tu ne sais pas qui a poisson tôt au marché. Tu ne sais pas qui envoie poisson tôt au marché. Poisson tôt, il y a ça au marché. Tu sais, toi, tu as venu manger. Parce que tu es mangeant. Amen. Amen. Rien n'a été fait si toi, tu es mangeant. Puis toi, il t'est su. Ton odeur rendrait. Qu'on avait fait quel poisson qui sent bon hein? Non, tu vois, ça sent mal. Quel poisson qui sent bien? Qu'on grille ça, ça sent bien. Soso. Soso, soso, merci. Je vous assure, soso, quand vous passez, qu'il va être soso au feu, qu'on grille est arrêté, on prend un peu l'odeur. Il y a des gens qui sentent le poisson soso. Amen. Parce que rien n'a été fait sur toi. Donc le sorcier veut te manger. Quand il est dans le village, il est prêt à te dire. Maman, ton maman, c'est qui? Quand quelqu'un dit ça, là, ça vous dit ton propriétaire, là, c'est qui? J'ai eu le nom de lui, vous venez te manger. Maman, tu passes, tu ne me salis pas. Moi, quand je passe à Zaroko, personne ne devait même me dire bonjour. Aïe. Personne. Depuis que nous sommes à Zaroko, regardez, les taux ont changé de camp. C'est les sorciers qui meurent. C'est ce qu'il dit aux gens, vous êtes dans les hommes de Dieu, vous êtes dans un village, les sorties, tu les gens, ça veut dire rien. Ils ne sont même pas inquiétés. Ils mangent, ils font sauce graine, ils font sauce arachide, ils font apoumer. Je viens de Togo, donc c'est les sorties qui sont dans ma tête. Apoumer, sauce tomate, façon bizarre. Ça nous a fatigué au Togo, donc c'est resté dans ma tête. C'est ça ici. Mais c'est fini. Comment toi tu es un enfant de Dieu, tu es dans un village et le royaume des ténèbres ne se soumet pas à toi? J'ai dit, je vais fermer vos églises. C'est l'ambassade du ciel. Dans le village, dans une ville. Oh, l'église a la solution de tout problème. Quand j'ai rentré à Zaroko en 2013, j'aurais dit, c'est fini, vous avez la solution à vos problèmes. La mort va s'arrêter ici. C'est pas une question de discussion, ça se discute pas. Ne discute pas. Jésus est Seigneur, point barre. Il est Seigneur. Et là où il est Seigneur, la Seigneurie, ça veut dire maître. Quand Jésus est maître quelque part, ça se sent. Aujourd'hui, il y a un château d'eau. Allez voir à Zaroko. Il n'y avait pas d'eau à Zaroko. On crée mais le fer, ça se fond. Comme si j'étais dans un fou. Ça se fond en bas. Un matin, je le prends le monsieur qui a bloqué l'eau. Il dit c'est lui. Je l'ai fait tomber. Je l'ai arraché la clé. Mais oui, le royaume de Dieu est en nous. Nous avons la force de Dieu. Tu viens une petite maladie bizarre, etc. Les sorciers viennent manger tes reins. Les sorciers mangent ton ventre. Et tu es là, tu les regardes. Tu passes, ils sont pour poisson soso. Ils sont là, ils sont derrière toi. Avec Atiki. Il te salue, madame, ton papa là c'est qui? Il cherche la connexion. Va aller négocier le coup, dit donne-moi la permission. Lui là, mais il sent bon. Depuis là, tu regardes, tu ne manges pas. Oui, on va manger ensemble. Amen. Là où il y a l'église, vous savez, la seigneurie, ça s'impose.
Allez demander, le monsieur aura qu'elle est venue ici. Azarok, on l'a mis la main sur lui, celui qui tue d'ailleurs. Ok. Monsieur, vous allez arrêter, oui, il a arrêté. Le jour là, il a commencé à manger. Je lui ai dit, il te donne 3 jours. Il jouait ça. Je l'ai envoyé ici, pardon. C'était du soir, on ne joue pas ça. Mais un matin, il est bon. Je n'avais pas fait un mois, il est bon. Tu es comme avec toi, ton sorcier, là, il vit, il démange, lui, il grossit, toi, tu maigris. Il dort bien, toi, tu ne dors pas bien. Pour revoir ta vie, est-ce que réellement tu es un enfant de royaume? Amen. 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 Si ta vie n'inquiète pas Satan, pour revoir ta position. C'est ça, quand vous venez ici, ce qui nous intéresse, c'est de vous déconnecter à votre système qui est mis en place. C'est ce qu'on appelle le père de purification. On a l'habitude de le faire ici. Je disais ici, il dit, il y a les dieux des eaux, il y a les dieux de la terre, il y a les dieux de l'or. On a vu ça dans Daniel 5, le verset 4. Il y a les dieux. Or, il faut se séparer. Quand, avant d'être chrétien, tu es fait partie d'une famille. Tu as une famille biologique. Or, le diable tient compte de tout ça pour te suivre. Or, quand tu n'es pas déconnecté de tout ça, tu as un problème. Vous savez, la science que nous voyons, c'est la technologie. La sorcellerie, c'est une science. Quand les sorciers n'arrivent pas à t'avoir, ou bien tu n'es pas de leur famille, et ils vont capter la fréquence depuis ton village. Ils vont avoir toute une information pour dire, bon, comme le monsieur, il est de Nialé Gribaud. Ok, on va aller capter Nialé Gribaud. Puis ils captent la fréquence. Ils ont toutes les informations. Depuis tes origines, ils ont tout sur toi. À partir de la fréquence, si tu as l'onde, pas qu'on t'attaque. Tout ce que nous voyons la science là, c'est comme ça les sorciers travaillent. Or, quand tu as été déconnecté de tout ça, c'est comme la puce aujourd'hui. Si vous disiez à une personne en 1980, que tu as été à Zaroko, il y a portable, téléphone, tu vas te chiffrer, te frapper même. Moi, tu as été à Zaroko, on t'a appelé sur cellulaire, puis tu as dit bonjour, en 80, tu as fait parler à la personne. De toute façon, la science est évolutive. C'est comme ça les sorciers. Là, c'est la technologie. Les étudiants disent, mais souvent, il y a des gens qui sont poissons, qu'on sosso. Comment on fait pour les manger? Parce que souvent, on a faim. Là, il y a des gens souvent qui ont fini pour leur famille. Comment on fait pour manger ailleurs? Ça les intéresse de manger. Donc, ils ont réfléchi, ils disent, ok, comme chaque personne a son origine, on va te donner compte de ça. Or, quand tu manges comme ça, il y a des ondes. Vous voyez? Il y a des ondes. Parce que nous sommes ici là, dans le wifi, on ne voit pas. Mais dès que tu es un portable, tu vas voir que la connexion wifi là-dessus, tu vois là. Mais tu ne vois pas ça dans le menu. C'est comme ça. Il y a des choses qui vous suivent. Vous ne voyez pas. Elles, ils voient ça. C'est à partir de ça qu'ils captent les choses. Ils ont accès à vos vies. Ils ont toutes sortes d'informations sur toi. Amen. Toutes sortes d'informations. Toi, tu vas te cacher. Le gars là m'a appelé, tu changes de numéro. Ça, c'est rien. Toi, maintenant, depuis ta douche, tu regardes. Tu es sorcier. Depuis ta douche, tu regardes. Et bien, il n'a pas été mangé. Il dit, mais le monsieur, quand il va commencer à faire 5-15 kilos, il va le manger. Actuellement, là, il a 10 kilos. Ok, moi, le laisser un peu. Quand il va avoir 15 kilos, on va le manger. Amen. Est-ce que tu as été déconnecté? Moi, je sais ce que j'ai fait. Je suis consacré. Toutes les choses ont été brisées. Donc, tout ce que j'entreprends, ça doit marcher. Ce n'est pas une question d'aller à Paris. Ça doit marcher maintenant. Alléluia. Amen. C'est tout. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Il y a quelqu'un, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Qui croit ça? Amen. Amen. Qui croit sa victoire? Amen. Vous pensez que la mort de Jésus, c'est de la comédie à la comédie? Non. C'est pas de la comédie. Vous voyez qu'il y aurait les sorciers, les regarder, il y a des comédiens. Je suis devant les Togolais, je dis, mais vous êtes des comédiens, toi, vaudou, tu as venu, moi, me faire tomber.
ce que Jésus allait contaminer dans le ciel. Il va me dire des choses. Amen. Il me dira des choses. J'aurais reçu que je suis sur la tête de vos lèvres. J'ai dit, vous n'êtes rien, vous êtes vaudou, vous pouvez aller où? Vous avez des pouvoirs, venez aller où? Et puis on dit, on vient chercher petit ici, vous dites, on a chance. Il est allé au pays. Moi, je peux faire malin si ma vie vient d'accord du voir, c'est 5 ans que je vis dans votre pays. Oui, c'est 5 fois plus joli. Je suis à Zaropon, ne mange pas l'homme là-bas. Allez demander. Je leur donne l'information. Qui parmi vous est vaudou, va dire, il n'a jamais lancé fétiche contre quelqu'un. Il y a qui? Oh, lancer fétiche, venir sur les sorciers. Amen. Quand vous avez véritablement Dieu dans votre vie, oh, ils vont chercher à avoir une information sur moi, ils ne vont jamais trouver. Ils ne peuvent pas capter ma fréquence. Amen. Amen. Tout est brouillé. Il y a des gens comme ça. Il y a des points qu'on appelle anti-radar. Vous savez pas ça? Il y a des zones, c'est anti-radar. Tu vas beau, mais ça ne va pas prendre. C'est comme ça ma vie. Ta vie doit être comme ça. Amen. Le gars, il réfléchit, il ne peut pas t'attraper. Or, les sorciers, eux, ils cherchent toujours comment faire pour te démystifier. C'est un mystère devant le diable. Le fait même de crier la nuit, il ne te mange pas, il est tourné. Elle va commencer à t'affaiblir. La stratégie pour attaquer les chrétiens, il va commencer à mettre une colère. C'est-à-dire, quelque chose de grave, tu allais dormir avec. Or, quand tu dors avec les choses dans le cœur, ça affaiblit ton âme. Quand on parle ton âme, ça, c'est parti. Puis le gars attrape ça, il est sorcier. Ou bien il braise. À quelqu'un, regarde, on va braiser ça pour manger. Faites parade. Parade. Monsieur, madame, parade. Fâchement, tout le monde va dormir. Le monsieur là, ne me touche pas. On s'est dit d'accord. Et tu manges un garbatoire. C'est qui t'a montré la nuit là. Puis tu es là, tu maigris. Tu ne comprends pas les maladies bizarres. Oh, la Bible dit que le soleil ne se couche pas. C'est ta colère. Il y a des choses où tu veux réclamer d'aller dormir. Non, laisse-moi. Tu me touches pourquoi? Pourquoi tu me touches? C'est qui tu vois ce que ça fait? Pourquoi tu me touches? Laisse-moi. Où tu m'épargnes? On appelle ça mur de Berlin. Heureusement que le mur de Berlin est cassé aujourd'hui. J'ai besoin de mur de Berlin. Laisse-moi, hein. Et vous êtes là, monsieur, vous ne vous parlez pas. Tu viens sur ce risque. Oh, le diable aime bien ça. Vous ouvrez grandement la porte au diable. Il vient s'asseoir, il déjeune. Il prend un petit déjeuner. Il est rassasié, puis ça va. Il faut s'accumuler des problèmes. C'est pour ça que ce n'est pas qui veut se mettre ensemble. Il y a des choses que vous devez éviter. Amen. Amen. La Bible dit que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Est-ce qu'on va bien saisir? Si on a sorti de rien, mais il a des techniques, il mentit des choses, il mentit des secrets. Il a dit lui là, il allait dormir, son cœur rempli. Ça dit, wouh, c'est ton âme sort. Il dit, tu vas te chercher à longtemps. Il a déjà vu le cœur, il a commencé à te briser. Son goûter voit la dernière main de ta tête. Parce qu'à longtemps, il te cherche. Amen. Donc avant de dormir, vous devez vous répondre d'abord. C'est-à-dire si tu as quelque chose, et puis évitez, monsieur, madame, évitez de faire parade. Mais les gens, on essaie de conquérir boxe. C'est des fondateurs de boxe. Ils vont faire parade jusqu'à même dans le lit. On est des marrons. Amen. Non, le diable est bien ça. Le diable est les endroits où on fait parade. Frère, c'est de coucher près de toi, c'est pas ta petite soeur. Le jour la prison de Dieu, de toujours la satisfaire. Amen. C'est pas un péché, je vous dis la vérité. Le jour la prison de Dieu, dit, monsieur, viens la satisfaire. Non, je suis fatigué, tu es quoi? Mais la Bible dit ça dans deux Corinthiens. La Bible dit que le corps de l'homme ne l'appartient pas. Ou bien, allons voir ça dans la Bible. Attendez, mon sorcellerie, elle vous délivrer de ça. La femme est souple, elle est là, elle est souple. Elle touche, elle dit, laisse-moi, laisse-moi, je suis fatigué. Tu vas pas dire, j'ai trop travaillé au bureau. Tu
maman, c'est la petite là qui allait travailler. Sorcier. Le jour ta femme te touche, réponds. C'est comme ça. C'est pas ta petite soeur. Oh, ça, ça va tous les problèmes dans le foyer. Vous savez pas ça? Vous parlez pas. Ok. Ok. C'est le nez de tous les problèmes. L'Église doit vous enseigner ça. Allons-y, le 2 Corinthiens 7. Faut qu'on vous enseigne les choses. Vous savez que Satan rentre facilement dans nos maisons. Il fait ce qu'il veut. Il fait son arachide. Il est là. Non, le 1 Corinthiens plutôt. C'est 1 Corinthiens à partir du verset 2. C'est le verset 2. Écoutez très bien. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Vous comprenez, on n'a pas dit deux femmes, hein. C'est ça. Moi, je suis trop contre la polygamie. Oh, je suis contre la polygamie. Non, vous ne pouvez pas aimer deux femmes à la fois, c'est pas possible. Deux hommes à la fois. Vous qui avez deux gars, trois gars, vous êtes des sorciers. Vous qui avez trois femmes, c'est la sorcellerie. Amen. Moi, je suis contre la polygamie. Allons-y. Que le mari rende à sa femme. Mes amis, monsieur, c'est pas joli à voir. Qu'est-ce que tu dis là? Va dormir ailleurs. Quitte-la. Tu dors. Oui, allons-y. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Ah, on dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. C'est pas pour venir ronfler près d'elle. Tu dois quelque chose quand tu veux dormir. C'est ce que vous ne savez pas, c'est l'égoïsme en matière d'amour. On est là, on est égoïste. On ne pense qu'à nous. Il faut rendre à ta femme ce qu'elle doit. Si elle a besoin de. Et puis vous, là, si vous avez besoin de votre mari, touchez-le. Vous dites, monsieur, j'ai besoin de toi, viens me satisfaire. C'est pas péché. Non, vous voyez ça comme c'est. Les blancs, ils enseignent ça dans leur maison. Ils enseignent ça au beaucoup. Les blancs, ils enseignent ça. Il est là, il est rond. C'est quand il a besoin de toi, il te touche. C'est dangereux. Allons-y. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme agit de même envers son mari. Le jour où ton mari a besoin de toi, ne dit pas non, moi-même, j'ai tout travaillé, j'ai pas lavé les enfants, j'ai fait sauce arachide, sauce grise, le sommeil c'est poisson après, j'ai fatigué, laisse-moi. Il va aller dehors. Là où on ne dit pas non, là, les gens aiment bien là-bas. Ah, les gens, ils n'aiment pas où on se fatigue. C'est pour ça que les gens, leur ministère, c'est aller chez les putes. Où on paye, on parle pas beaucoup, on donne l'argent, ils parlent pas. Les gens, ils sont possédés de ça. C'est le ministère. On ne parle pas beaucoup, on donne l'argent, tu ne traques pas. S'il te plaît, puis ça les fatigue, il donne l'argent, puis il fait ce qu'il veut. Allons-y. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Amen. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Vous avez compris? Non, je suis fatigué. Tu sais pas qui m'a dit, c'est moi qui fais déjeuner. Amène les enfants à l'école. À midi, il fait sauce graine, il pilier, pilier, pilier. Il est prêt pour tout ça. Le soir, il fait poisson la brise. Je suis fatigué, laisse-moi. Hein? Oh, quand un homme a envie d'une femme, puis tu le tiens. Ça peut le tuer. Tu l'as vu, tu l'outil. Allons-y. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Hein, vous pensez que c'est la faute. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Allons-y. Mais c'est la femme. Mais c'est la femme. Le corps, donc, quand il va dormir là.